et bienvenue dans votre 7-8 clip d'eau. Nous ferons ensemble un tour de l'actualité de la semaine dans les Yvelines, le sommaire de ce vendredi 6 septembre. Vous vous souvenez de ces images de poissons morts asphyxiés dans la Seine suite à l'incendie de la station d'épuration d'Achères. Une réunion bilan sur la pollution a eu lieu hier après-midi avec tous les acteurs. Les cloches ont sonné, c'est l'heure de la rentrée. Plus de 300 000 élèves ont retrouvé le chemin de l'école dans les Yvelines, nous ferons le point. Grenelle des violences conjugales, nouveau label pour le Ciné 7 à Élancourt et menace de sécheresse dans les Yvelines, nous reviendrons sur ce qui a marqué cette semaine. Le 3 juillet dernier s'est déroulé l'incendie de la station d'épuration d'Achères. Fumée noire, poisson asphyxié dans la Seine, 2 mois après, une réunion d'information s'est tenue en sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye pour dresser un bilan, les précisions de Manon Varaldo et Mathilde Demilly. Rappelez-vous, suite à l'incendie de la station d'épuration d'Achères survenue le 3 juillet dernier, des poissons asphyxiés, des anguilles ou des perches mortes flottaient derrière moi. Aujourd'hui, 2 mois après, tout a été ramassé. Au total, 7,5 tonnes ont été enlevées de la Seine. 2 mois après, l'eau de la Seine est plus propre. La qualité bactériologique des eaux est au moins aussi bonne qu'auparavant. Suite à l'incendie dont la cause n'est pas encore connue, la capacité de traitement de l'usine de Seine-Aval s'est réduite. L'incendie a touché les Yvelines et le Val d'Oise. Les élus restent très inquiets, notamment en cas de nouvel épisode pluvieux. Dans la mesure où sa capacité de traitement aujourd'hui est atteinte, on risque de se retrouver malgré tout avec des problèmes assez sérieux dans la période qui vient, dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Le SIAP a débuté son travail pour que l'usine Seine-Aval retrouve une capacité proche de la situation existante avant l'incendie. On sera prêt en tous les cas avant la période estivale, puisque là on n'a plus de danger de mortalité dans la Seine de poissons. Déjà les mesures qui ont été prises sont suffisantes. Et surtout on va passer de 100 mètres cubes de débit de la Seine à 300 mètres cubes, avec des eaux qui étaient à 27 degrés au mois de juillet, qui vont être à 10-11 degrés. Donc une capacité d'auto-puration de la Seine importante, qui préservera la vie biologique du fleuve. Les travaux de la reconstruction de l'unité débuteront en 2021 après une phase de nettoyage et de diagnostic. Le coût de la reconstruction est estimé entre 80 et 100 millions d'euros. Une réunion d'information s'est tenue à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. Une 3e réunion d'information suite à l'incendie de la station d'épuration d'Achères survenue le 3 juillet dernier. Aujourd'hui, 2 mois après, un point ressort de cette réunion: de nouvelles dispositions d'alerte des populations. Justement, le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault, s'est positionné. Le PPI, le plan particulier d'intervention, a été présenté aux différentes communes. Une signature est prévue en septembre. Concernant ce PPI, je le rappelle, le plan particulier d'intervention, une réunion se déroulera le 11 septembre en sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye à 14h30. On a écrit une poésie ce matin. On a fait les fournitures. On a fait la page de garde des cahiers. On a rencontré tout le monde. Et oui, lundi, c'était la rentrée scolaire. 305 230 élèves ont enfilé leur cartable dans les Yvelines. Point sensible pour chaque académie, les ouvertures et fermetures de classes. Cette fermeture pour 19 ouvertures, le nouveau directeur académique Antoine Destré dresse un bilan positif. Cependant, des parents d'élèves se sont mobilisés à Versailles-Satory, Sartrouville, Croissy-sur-Seine, Buc et Rambouillet, particulièrement au collège du Rondeau de cette dernière commune où les postes de conseiller principal d'éducation a été supprimé. Avec moi en plateau, Frédéric Zeitz, président académique du SNALC Versailles, le syndicat national des lycées et collèges. Bonjour. Bonjour. Alors, côté enseignant du secondaire, quel bilan dressez-vous de cette rentrée ? Eh bien, je dirais que c'est une rentrée chaotique, cette année encore, et un chaos aggravé, en particulier pour les lycées, mais pas seulement, mais parce que, justement, la mise en place de la réforme du lycée a aggravé la situation qui était déjà difficile dans beaucoup d'établissements. Manque d'heures, manque d'encadrement de personnel, et à cela s'ajoute l'explosion de l'enseignement de spécialité. Alors, cette réforme, on va y revenir, mais là, puisqu'on est du point de vue des enseignants, on va parler de leur rentrée à eux, qui était la semaine dernière pour tout préparer. Plus de 19 000 enseignants dans les Yvelines, dont 361 stagiaires. Une toute première rentrée pour eux. Ils étaient accueillis mercredi 28 août à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines par la rectrice et le directeur académique de Versailles. Ce dernier a répondu aux questions de Grégory Canalet dans le 7-8 journal.
Surtout les accompagner tout au long de l'année. Donc on leur a expliqué un peu comment cet accompagnement se ferait donc côté de l'INSPE, donc l'Institut de formation, et puis évidemment sur le terrain, puisqu'ils partagent leur temps entre moitié sur le terrain, moitié à l'école. Oui, donc et on les accompagne. Il y a vraiment, je l'ai découvert, un accompagnement de qualité de la part de tous les formateurs, pour que le but, c'est qu'ils soient tous titularisés à la fin de l'année, et surtout que leurs élèves apprennent tous dans de bonnes conditions. Et de jeunes professeurs en formation qui sont de moins en moins nombreux. D'après une étude du Conseil national d'évaluation du système scolaire, plus de 100 000 candidats se présentaient aux écrits pour devenir professeurs du secondaire dans les années 90. Ils sont aujourd'hui moins de 40 000. Alors on parle parfois de crise de vocation. Comment peut-on expliquer cela, Frédéric Zaitz ? La crise de vocation s'explique aisément par la rémunération des professeurs qui est de moins en moins attractive, qui fait que certaines disciplines, on cite les mathématiques, mais on peut parler d'autres, notamment des lettres et des lettres classiques, qui ne trouvent plus suffisamment d'étudiants pour qu'ils acceptent de devenir professeurs. Professeur de mathématiques, il y a quelqu'un qui a une très bonne formation en mathématiques, peut très facilement s'engager dans les voies d'ingénieur, également d'entreprise, plutôt que de gagner assez peu finalement comme professeur, même agrégé. Alors justement, cette question de la rémunération, Jean-Michel Blanquer a annoncé une hausse de 300 euros brut pour les professeurs, ainsi que des primes plus élevées en réseau d'éducation prioritaire. C'est des solutions convaincantes ? Ce ne sont pas des solutions convaincantes, 300 euros par an, pour relativiser les choses. Bon, ça n'attirera pas grand monde et c'est vraiment le prix d'une petite pizza, comme a dit notre président national Jean-Rémy Girard, le prix d'une pizza. Alors, cela a été officialisé jeudi 5 septembre. 4 villes des Yvelines ont reçu le label Cité éducative. Elles sont 80 en France. Un projet né d'une expérimentation à Grigny dans le 91, dont l'objectif est d'intensifier les prises en charge éducatives de 0 à 25 ans pendant et autour du cadre scolaire. 34 millions d'euros par an sont dédiés. Dans notre département, cela concerne Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux, Mantes-la-Jolie et Trappes. Pour l'obtenir, chaque territoire a dû montrer sa détermination et faire de l'éducation une priorité. Une bonne nouvelle de voir des moyens mis en place pour conforter les actions réalisées dans ces communes ? Davantage de moyens, bien sûr, c'est une bonne nouvelle, mais pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'une cité éducative ? Bon, je peux rappeler que l'ensemble des professeurs et des syndicats d'enseignants étaient contre ce projet. Pourquoi ? Parce qu'on mélange le maternel, le primaire, le collège, le lycée, qui sont des enseignements tout à fait différents. Ne primarisons pas le secondaire, ne mélangeons pas les choses. Chacun peut faire très bien son travail dans son cadre. Alors ces moyens, évidemment, sont très bien, mais nous sommes tous mobilisés, et ce n'est pas uniquement une question de moyens, c'est aussi une question de qualité de l'enseignement. Alors, je reviens à ce dont on parlait tout à l'heure, la réforme, c'est le sujet sensible de cette rentrée scolaire, les réformes. La scolarité obligatoire dès 3 ans n'est pas un grand bouleversement, puisque 97,5% des enfants de cet âge fréquentaient déjà l'école en 2016. Mais celle qui remue le corps enseignant, c'est cette refonte du baccalauréat. Vous vous en souvenez, elle avait entraîné une situation inédite. Pour montrer leur opposition, 700 correcteurs ont fait la grève des notes en refusant de rendre les copies corrigées de l'examen. Ce nouveau bac, c'est un bac sans filière, mais avec un tronc commun et des options à choisir, ainsi que des changements dans l'examen lui-même, avec l'introduction du contrôle continu, des épreuves en mars et un grand oral en juin. On écoute Charline Avenel, la rectrice de l'Académie de Versailles. C'est évidemment une très bonne chose parce que ça évite le stress de l'examen. Ça permet d'échelonner, ça permet d'avoir une progressivité et puis ça permet à l'ensemble du système de ne pas être dépendant de ces quelques jours de la fin juin. Voilà, c'est une modalité beaucoup plus facile et vraiment dans l'intérêt des élèves. Alors, c'est une réforme dans l'intérêt des élèves ? Eh bien, je crois qu'elle apporte aux élèves, pour l'instant, et aux professeurs, énormément de stress, énormément de désordre dans les établissements. Cette rentrée, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, est une entrée de chaos, et un chaos aggravé, en plus, par cette mise en œuvre de la réforme. Les emplois du temps ne fonctionnent pas. On n'arrive pas à faire rentrer la réforme dans les emplois du temps des élèves et des professeurs, dans les murs. On prévoit maintenant des cours qui terminent à 19h. C'est la question des options qui pose problème pour les emplois du temps ? L'éclatement des options est vraiment quelque chose qui n'est absolument pas maîtrisé. Vous avez des collègues, des classes où vous avez plus de professeurs que d'élèves. Une classe, par exemple, a 45 professeurs différents parce qu'il y a toute une folie d'options. On a vraiment des options tous azimuts.
moment va se passer où il va falloir choisir. La rectrice parle du bac, elle a raison. Il va falloir choisir à un moment son épreuve du bac. Et donc, les options vont être réduites. Je peux vous citer d'exemples de collègues qui déjà ne savent que leur option ne sera pas choisie au bac et qui entament vraiment un processus d'inquiétude, voire de dépression. Justement, est-ce qu'il y aura des actions qui peuvent être menées, vu qu'après cette histoire de baccalauréat au mois de juillet ? Des actions sont déjà en cours. Vous avez des établissements qui sont en grève. Je ne citerai pas les établissements vitrines, où apparemment tout s'est bien passé, où même le champagne a été servi aux professeurs. Excellent champagne d'ailleurs. Ce n'était pas mon établissement. Mais des actions sont en cours. Certains établissements vont entrer en action parce qu'ils préfèrent regarder les choses, faire preuve de bonne foi et voir que les choses ne marchent pas. Des établissements ne viennent que de faire leur rentrée, je parle des lycées, hein, aujourd'hui, parce que les choses ne pouvaient pas fonctionner. Il n'y avait pas d'emploi du temps, par exemple. À cela, donc, déjà, primitivement, vous avez des établissements où il manque des lycées, où il manque des effectifs d'encadrement. Bien savoir que cette réforme ne vaut que s'il y a suffisamment de CPE, suffisamment de surveillants, tout cela. Or, ce n'est pas le cas. Et dans ces conditions-là, comment on fait pour accompagner les élèves? Justement, ils ont choisi des options, il faut les accompagner jusqu'au bac maintenant? Oui. Alors, je crois que l'institution peut faire confiance au courage des professeurs, leur art de la débrouillardise. Certains m'ont dit que ça marche à peu près en ce moment parce qu'on se débrouille, on essaye de faire face, mais ça ne peut pas fonctionner. On est au bord pour certains établissements du moment où les professeurs vont à nouveau se mobiliser. Des occupations d'établissements ont lieu. Certains établissements sont en grève, on sait, et d'autres, justement, vont se mettre en grève si les choses ne sont pas résolues. Là, on va parler d'une autre mesure. Maintenant, la volonté d'école inclusive avec les pôles inclusifs d'accompagnement localisés pour coordonner les moyens humains. Donc, 10 000 élèves en situation de handicap sont recensés dans les Yvelines. 5 000 sont accompagnés avec l'aide de 2 000 accompagnants. C'est suffisant ? Dans l'objectif, non, ce n'est pas suffisant. L'école inclusive pose énormément de problèmes. Beaucoup de professeurs ne sont pas formés et se sentent coupables, justement, dans certaines situations. Et surtout, ne sortez pas les culpabiliser parce que les choses ne marchent pas. Mais évidemment, le moyen n'est pas suffisant. Nous admettons parfaitement que les enfants qui ont des difficultés, handicapés, doivent vivre avec les autres, bien sûr. Alors, accent mis également sur la numérisation. La présidente de région Valérie Pécresse a annoncé 150 millions d'euros investis en Île-de-France, avec notamment les manuels scolaires disponibles en format PDF numérique. C'était des outils intéressants, le numérique, qui s'appliquent bien dans l'enseignement. J'attends d'être convaincu. Dans beaucoup d'établissements, cette réforme a été proposée, mais les professeurs ne l'acceptaient pas. Quand ça a été proposé au conseil d'administration, ils ont voté contre. On est arrivé au paradoxe que ceux qui doivent mettre en œuvre cette réforme du numérique sont ceux qui y sont opposés. Écoutez, franchement, non, hein, je ne pense pas que ce soit un élément de progrès. On a suffisamment dénoncé les méfaits de la numérisation et du numérique, le téléphone, le portable, tout cela. C'est facteur de stress, facteur d'inattention. Ce n'est pas l'élément le plus formateur, non. C'est beaucoup d'argent dépensé, je pense, pas vraiment pour des buts pédagogiques, évident. Alors, d'autres buts pédagogiques, on en vient au collège. Le plan Devoir fait, qui s'est déployé sur tout le territoire, il propose des heures de soutien pour aider les aides aux devoirs. C'est une façon un peu de combattre les inégalités face au travail réalisé à la maison. Ça fonctionne ? C'est surtout un moyen de faire travailler les élèves, de leur apprendre à bien travailler. C'est très important d'apprendre progressivement le travail personnel et rendre son travail régulièrement. Je suis tout à fait favorable, bien sûr. Alors, Frédéric Zeitz, vous restez avec nous. On va parler de la rentrée au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. L'établissement a accueilli la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, ce mardi 3 septembre. Une visite sur fond d'investissements financiers dans ces établissements, mais aussi de prévention face à des affaires d'harcèlement sur des étudiantes révélées en 2018. Nicolas Dandry et Patrick Jacques de Dixmude. La secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, est arrivée ici au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École aux alentours de 15h. Elle a rencontré des élèves et des enseignants du BTS Cyberdéfense, une formation à la sécurité des réseaux informatiques et au système embarqué, un cursus créé en 2017. L'armée a investi dans ce BTS pour pouvoir remplir les rangs de techniciens spécialisés dans le cyber dans leur armée. Donc on est formé dans le domaine de la cyberdéfense. On va acquérir
comment bien sécuriser des réseaux informatiques, par exemple. Aussi, comment bien protéger notre ordinateur. On peut rajouter programmation. Ensuite, on a du réseau aussi. Et on a aussi du système. Donc, on voit vraiment tout. On a des compétences globales dans tous les domaines. La secrétaire d'État a aussi évoqué le plan d'investissement de 100 millions d'euros destiné à la rénovation des lycées militaires. Elle a aussi évoqué les questions de discrimination et de harcèlement sexiste dans ces établissements. Il faut écouter, il faut regarder, il faut dépister, il faut voir les signaux faibles, bien sûr les signaux forts, et faire en sorte de pouvoir prévenir et faire en sorte, surtout s'il y avait le moindre problème, de pouvoir sanctionner rapidement. Eh bien, nous arriverons à faire en sorte que ces comportements d'une minorité qui sont inacceptables ne se reproduisent pas. Près de 800 élèves ont fait leur rentrée 2019-2020 au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. Des étudiants répartis entre le lycée, le BTS et les classes préparatoires aux grandes écoles de l'armée. 102 femmes sont mortes sur les coups de leur conjoint ou ex-conjoint depuis le 1er janvier 2019. Suite aux multiples actions des proches des victimes et associations pour alerter le gouvernement sur ces féminicides, celui-ci a lancé mardi 3 septembre un Grenelle des violences conjugales. Il se tiendra jusqu'au 25 novembre avec notamment des réunions au niveau local. Dans les Yvelines, la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité indique qu'une réunion dédiée aura lieu le 13 septembre prochain. Les acteurs de cette lutte contre les violences conjugales du département seront conviés. 4 exemples d'associations s'affichent sur votre écran. Les 50 antennes du Centre d'information pour le droit des femmes et des familles, l'Étincelle, l'association DIR et Women Safe. Le ministre de l'Éducation était présent à ce Grenelle. Il précise que l'éducation nationale sera totalement impliquée pour faire avancer la cause de l'égalité filles-garçons et du respect d'autrui. Des réflexions qui sont prises en compte au sein du corps enseignant, comment on fait pour faire cette prévention-là? Eh bien, moi-même, je n'ai jamais été formé à déceler les traces sur un élève d'une violence parentale. Mais ces éléments-là existent et on peut les voir. Et à ce moment-là, il y a effectivement la procédure du signalement. Le signalement se fait par référence, on se réfère à sa hiérarchie. Donc la procédure existe, encore faut-il voir les signes. Et les signes ne sont pas forcément visibles. Plus que voir des signes, est-ce qu'il y a des modules qui peuvent être mis en place en cours pour parler de ces inégalités, de prévention? Est-ce qu'on vous en donne les moyens? Pour l'instant, non. Donc, je n'ai pas, à ma connaissance, de moyens, d'éléments de ce genre-là. Mais bon, encore une fois, essayer de déceler les signes, parfois, peut être très utile. On le voit. Souvent, les enfants viennent vous parler spontanément ou parler de problèmes d'un autre. Après, évidemment, il faut faire la différence entre ce qui est dit et ce qui est réel. Et ça, il y a parfois beaucoup de choses racontées qui sont fausses, évidemment. Et on le rappelle, le numéro d'appel d'urgence gratuit dédié le 3919. On ouvre une page culture à présent avec cette bonne nouvelle pour le Ciné 7 à Élancourt. Déjà labellisé jeune public et patrimoine et répertoire par l'Association française des cinémas Arts et Essais, il ajoute à son arc la recherche et découverte, les explications de Mélanie Poquet. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie. C'est en diffusant des films comme ce long métrage polonais que le Ciné 7 est aujourd'hui labellisé Recherche et Découverte. Une reconnaissance décernée par la FNACAE, l'Association française des cinémas Arts et Essais. Ce sont les films peu diffusés dans les salles, cinéma européen, cinéma mondial, qui sortent sur des petites combinaisons de copies, très souvent en version originale. Des films peu diffusés donc en France, peu exposés, que le public a du mal à trouver dans les salles. Donc ce cinéma-là, il faut le montrer aussi, il faut l'exposer, il faut le mettre en lumière. Et des films découverts lors de festivals comme celui de Cannes ou par des coups de cœur de l'équipe du cinéma et du public. Ce label est décerné pour les 2 années à venir. C'est le 3e que reçoit le Ciné 7, classé Arts et Essais depuis 1994. Ça vient couronner un travail vraiment d'équipe. Un travail de programmation réalisé par les équipes ici sous la houlette de Luc Bocan. Et puis c'est une bonne nouvelle aussi, bien entendu, pour les spectateurs qui viennent nous voir, puisque c'est à la fois le gage, comme j'ai toujours dit, d'un éclectisme culturel dans ce cinéma complet. On a une palette complète de toute l'actualité cinématographique. On va bien entendu de l'art essai, mais ce sont également les blockbusters. Il ne faut pas les oublier, parce qu'on a aussi une clientèle qui vient pour les voir. La salle Élancourtoise projette chaque année entre 350 et 360 films. Le Ciné 7 accueille plus de 100 000 cinéphiles.
Notre retour dans le passé de la semaine est consacré au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. Lancé dès 1985, la construction d'un théâtre d'envergure nationale s'entame au début des années 1990. Dans une ville nouvelle, souvent perçue comme un lieu sans histoire et sans épaisseur humaine, un espace de vie sociale est primordial. Visite de l'équipement quelques mois avant son ouverture. Après 3 ans de travaux, le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines s'est enfin ouvert au regard des curieux. Plutôt massive et froide à l'extérieur, l'architecture intérieure choisie par Stanislas Fisser a séduit de manière unanime. Un équipement où même les détails ont trouvé leur place, au-dessus des deux salles qui peuvent accueillir respectivement 1200 et 350 places, des appartements ont été construits pour les artistes. Des loges également étudiées en fonction des passages, que ce soit des orchestres, des troupes ou des chanteurs. Bref, une utilisation facilement aménageable pour toutes les personnes qui vont faire vivre ce théâtre, comme pour le public, qui dispose aussi de lieux d'exposition. Reste la programmation et le prix des places, elles ne devraient pas décevoir non plus. Il y aura 40 spectacles. 40 spectacles, il y aura du théâtre, bien entendu. Il y aura de la danse avec des compagnies internationales et nationales. Il y aura du théâtre musical et lyrique. Il y aura aussi un secteur voix. Ouvert à tous, ce programme présentera également l'avantage, dès le mois d'octobre prochain, d'être accessible financièrement à un large public grâce à des tarifs modérés. Une saison qui devrait logiquement commencer le 2 octobre avec la chanteuse de jazz Didi Bridgewater, les subventions du SAN pour le budget de fonctionnement du théâtre ayant été cette semaine votées en comité syndical. Frédéric Zeitz, les lieux culturels sont riches dans les Yvelines. Vous pouvez vous compter dessus, vous appuyer dessus dans l'enseignement ? On peut tout à fait s'appuyer dessus dans l'enseignement. Et l'enseignement n'a pas d'autre but que de former l'élève, de lui apprendre à se cultiver, de structurer la pensée, d'alimenter sa mémoire, puisque vous savez, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Alors, c'est sur ces belles paroles que je vous remercie d'être venu sur le plateau, d'avoir accepté cette invitation. Merci. Bonne rentrée. Et bonne rentrée, bien merci sûr. Merci à vous. On tâchera. Jusqu'à 42 degrés en juillet, les Yvelinois aussi ont connu la canicule et avec elle la sécheresse. Le préfet a placé l'ensemble du département en situation d'alerte le 23 juillet dernier, arrêté maintenu le 21 août. Une situation qui impacte encore les exploitants agricoles, Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. Il scrute le ciel et son téléphone. Et Jérôme Regnault suit 2 à 3 fois par jour l'évolution de la météo. Si la terre est plus dure, en effet, on va se poser la question de sortir les charrues. Pour ce céréalier, c'est demain que les conséquences de la sécheresse estivale vont se faire sentir. L'exploitation arrive en période de labour, de préparation des terres pour les semis. L'an passé, on était dans des conditions encore plus difficiles, où là, ça avait vraiment impacté les levées de colza. Là, on est encore tôt dans la saison, donc il est encore temps que la pluie arrive et que les potentiels soient là. Les orages du début du mois d'août n'ont pas changé la situation. Les Yvelines ont été placées en situation d'alerte sécheresse le 23 juillet par la préfecture. Mais tout n'est pas négatif pour cet agriculteur. Il n'a pas eu trop d'impact sur les cultures d'automne et donc sur le résultat de la moisson 2019. Ça a été bon à très bon pour les céréales, c'est-à-dire et en quantité et en qualité. Les grains étaient formés au moment où la sécheresse est arrivée et la canicule de fin juin. Ça a été beaucoup plus ordinaire à catastrophique sur les colzas qui, eux, avaient subi la sécheresse de l'été 2018. Le maïs, ça va être particulier, en effet, puisqu'il a pris, lui, le coup de chaud au moment où il aurait dû être haut, voire même commencer ses floraisons. Donc lui, le maïs qui sera récolté dans la région, c'est souvent entre mi et fin octobre. On va jusqu'à fin novembre, mais souvent mi et fin octobre. Lui, il se porte plutôt mal. Jérôme Regnault exploite 300 hectares de terrain où il cultive principalement des céréales. La pluie est annoncée pour la fin de semaine avec de rares averses. Et c'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous pouvez retrouver le 7-8 journal ainsi que vos magazines thématiques qui feront leur retour. On se quitte avec un extrait du reportage sur Thomas Derrick, un ennemontain qui a traversé le plus grand désert du Sahel en Bolivie. Reportage à découvrir en son intégralité dès lundi dans votre 7-8 sport. Bon week-end sur TV78.
je m'apprête à partir. Et là, c'est réel, c'est concret, parce qu'une fois que je serai là-dedans, je serai tout seul, en totale autonomie, sans GPS, sans tracker, sans balise, sans téléphone satellite, aucun moyen de contacter le reste du monde. Donc, il n'y aura que moi et le vide. Ça fait quelque chose.